Alors, continuons ainsi. Donc là, on a. Il reste lui à compléter, puis après, ouais, on a complété les 4 hardcore. Ah, lui aussi, il est cool. Hein. Le Torricless aussi. Oh là là, il n'y a que des bons monstres. Il y a trop de bons monstres. Il y a vraiment que des bons monstres. Il y en a tellement. Il en reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, c'est chaud! C'est tellement de quêtes, c'est abusé. 15 quêtes, c'est énorme, je trouve, dans le jeu. Bon, allez. On va se faire le serpent. Je sais que j'avais dit que je le ferais en étant seul, mais. Là, il y a beaucoup de trucs. Je trouve qu'il faut faire énormément de quêtes avant de passer au suivant, quoi. En fait, c'est surtout que je me dis que ce qui est intéressant, c'est le rangé, quoi. On va pas se mentir, le rangé, ça a l'air vraiment ouf, quoi. J'ai l'impression de n'avoir que une toute petite partie du jeu alors qu'il y a des trucs vraiment de fou quoi. Poison Poider, comment ça? Guérit l'utilisateur et ceux des effets du poison. Ok. Écoute hein. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas de cinématique dans ce jeu. Dans les cinématiques de rencontre des monstres, etc. J'avais vu des trucs assez incroyables. Oh, il y a un Yodrome, bonjour. Enfin, lui, il s'était fait complètement bouffer par le monstre d'ailleurs. Dans un trailer, on le voyait se faire complètement bouffer. Bonjour, ah bah voilà. En plus, c'est bien Yodrome hein, qui se fait. Putain, il est super grand. Hein. Ça aussi, c'est un monstre ultra cool. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant. Oh! Ah bah oui, mais je suis trop bête, j'ai oublié de. J'avais oublié de prendre ma potion. Ce monstre est à mi-chemin entre le Léviathan et le serpent, donc ça c'est cool aussi. C'est un bon monstre. Ah bah, bon bah je me fais bouffer hein. Ouah, les points de vie. Bah du coup il utilise mon sang maintenant. Je me demande ce que fait le sang du coup. Oh purée, saleté.
pour les 200. Le monstre qui fait ton prélèvement sanguin. Ah, le sang, ça réduit ton tranchant. Ça paraît logique parce qu'il utilise le draconium contenu dans le sang pour pouvoir, faire les dégâts. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il peut faire ça. Ok, d'accord, intéressant. J'aime bien le fait qu'il ait un léger mucus sur sa peau. Ah mais du coup ça l'a renforcé? Non, ça l'a pas renforcé. Oula oula oula. D'accord. Ok, il s'est tiré. Il s'est barré en plus dans une zone un peu bâtarde. Il est sérieux le voisin avec ses travaux? Il abuse un peu quoi. C'est marrant qu'il a le même pattern que l'Agnactor, c'est-à-dire il claque du bec alors qu'il a pas de bec. Hein. Et je trouve ça rigolo. Il claque du bec et il tape derrière. Ah merde! Ça c'est ouf parce que c'est un monstre qui a justement, dès qu'il a plus de sang, il fait toutes les techniques possibles, enfin toutes ces techniques sont des techniques qui permettent de toucher, enfin de choper, et je trouve ça incroyable. Ah purée, en plus c'est plusieurs fois, ça lui a pas suffi. Au secours, libérez-moi. Oh j'ai plus, pourquoi j'ai plus mon régène? Qu'est-ce qui s'est passé? Oula, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oh là! Oh, le sharpness qui s'est pris tellement cher! Oh, mais il y a le Liodrome qui s'est ramené! Aïe! Aïe! J'ai pas vu que j'avais la transcendance. Ah non, ouais, le Yodrome, tu viens pas me péter les burnes. La vitesse. Il a chopé personne. Oh oui. Et merde. Il m'a pas chopé, c'est marrant ça. Ah mais non, mais il a récupéré le poison. Donc il avait pas besoin de me toucher.
Oh, le petit saut en avant. Merde. Non, ça va. Oh, il laisse des flaques de poison. C'est rare ça, les monstres qui font ça. Ouais, je dis ça, mais dans Frontières, c'est un peu... C'est un peu commun. Oh, le Yodrome, il me casse les burnes. Ah, il s'est barré. Bah, il est où? D'accord. Purée, la vitesse. Waouh, mais il touche de là, c'est abusé. Ah ouais, c'est vraiment... Même le Chameleos, il est pas aussi, aussi vache dans ses poisons. Aïe. Wouah. Allez, je me fais bouffer. Oh, de l'eau. Ah, du coup, son élément naturel, c'est l'eau. Ok. Ou alors c'est de la bave, et dans ce cas-là, c'est... beaucoup plus dégueulasse. Ok, j'ai... Wow, ça c'est stylé, comment ils ont giclé. Le pauvre Yodrome, il a rien compris à sa vie. Il s'est fait sucer. En vrai, s'il avait fallu que je me soigne à chaque fois avec le poison, ça aurait été trop chiant. Et sans déconner, arrêtez de m'agresser. Ah bon. Le Yodrome, je sais pas ce qu'il fout, il y a un truc qui lui suce tout son toute sa vie. Oh, le Yodrome qui vole. Par contre, il se recharge très souvent, donc... En soi, j'aime bien le fait que sa gimmick, elle soit... est souvent exploité. Ok. Aïe. Et mine de rien, il résiste, hein. C'est le bordel. Qui est-ce qui s'est tiré?
me demande s'il peut obtenir la paralysie ou quelque chose comme ça. Ce serait un peu broken qu'il ait ce genre de pouvoir. Ouais. Endormir. Oh, la roulade. Aïe. Parfait. Merci évasion plus devant. Parce qu'à mon avis, ça passe pas hein, sans. Ah, iodrome de merde. Pas Iopré. Oh non, il se met dans un endroit. Putain, chier. Il se met dans le pire endroit. C'est ouf cette colonie de Yopré qu'il peut y avoir. J'ai jamais vu autant de Yopré dans un jeu quoi. Et ben voilà. Mais c'était cool. Hein. Il était vachement cool. Hein. Et en vrai, même avec le Rasta, j'ai quand même mis 15 minutes. Hein. Qu'il a pas. Il a pas donné un truc particulier? Non, visiblement non. Le concept du monstre est cool, je trouve. De toute façon, tous les monstres de frontières sont cool. Je comprendrai jamais ceux qui crachent sur ce jeu. En général, ce sont ceux qui ont jamais joué.